Salutations personnes de tout genre et bienvenue dans cette nouvelle découverte. On découvre aujourd'hui la démo de SOPA, Tales of the Stolen Potato. L'histoire de la patate qui a été volée, tout simplement. Et puis voilà, bonne découverte de démo. Et bon dodo Kalmos, merci beaucoup pour la nouvelle, en vrai ça fait trop plaisir. Sur YouTube ou sur Twitch? Ah c'est vrai que sur YouTube ça fait moins de temps que je stream. Ouais. Ça va faire 3 mois que je stream sur YouTube. Testé non, mais je me suis lancé dans une programmation spéciale jeu émission spooky pour ce mois-ci. Ah oui, effectivement avec... avec Halloween qui arrive. Mon dieu qu'on est beau! Hé, hey, lui on pourra pas lui faire la tête au carré, c'est déjà fait. Nana, elle aime vraiment ses plantes! Oh non, mais pourquoi? Le conte de la patate dérobée. Ah non, c'est vraiment ma manette, je crois, qui déconne. Oui? Ah, voilà, merci. Je vais pas voir tout qui bug non plus. Donc y a pas de VF pour le moment. Ouais, non mais t'inquiète, Clem. Waouh, le soleil, il sent bon. Grave. Vous savez ce qui sent bon aussi? La tristesse. Ouais, la tristesse est une odeur aussi. Pas fan de l'ADA pour l'instant. L'ADA, ouais, est particulière. Attends, est-ce que je peux monter? Pas du tout. Bon, t'es un peu lâché quand même en mode « Vas-y, démerde-toi !» Attends. Mio! C'était quoi, ça? Désolé, Nana. Mio, s'il te plaît! Je t'ai dit plein de fois d'arrêter de courir partout dans la maison! Désolé, Nana. Attends, il va falloir que tu nettoies! Désolé, Nana. Pardon, je veux dire oui. C'est normal qu'ils deviennent rouges comme une pivoine. Bah, tu sais, dans ces pays-là, il y a beaucoup de piment et tout, donc ça se tient. Ah, c'est ces figurines précieuses. Si j'en touche une, je suis mort. Ah ouais? Et si tu fonces dessus comme ça? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Désolé, Nana. Mais viens là, toi. Wow! T'es sûr de ce que tu fais, hein? Oh. Non, parce que si tu me follow, c'est-à-dire qu'après tu dois venir me regarder. Si t'as besoin de parler, hésite pas. Hein. Et du coup, bah coucou Fatal Kebab, comment tu vas? C'était quoi ce truc? Nana, il y a une espèce de chaussette qui parle. Enfin, je sais pas si elle parle, mais... Comme tu faisais avec les chaussettes quand t'étais petite. Ah, tu te vois là, mon petit bio. Et voilà pour toi, juste comme tu l'aimes. Mais bois-le doucement, d'accord? Et fais attention de ne pas t'en mettre partout. Je t'ai dit que c'est chaud, espèce d'andouille. Ouais, bon, tu sais toujours pas boire, c'est pas grave, t'as que 10 ans. Je m'inquiète pour ce gosse. Merci, Nana. Tiens. Alors, il était comment, ce chocolat chaud? Il était bon? Oui, madame. Bon, très bien, maintenant je vais te faire de la soupe. Non, ça ira, merci. Bien sûr que si, je sais que t'aimes pas trop la soupe, mais il faut bien que tu manges quelque chose d'autre. Oui, madame. C'est encore la faute de la manette? Non, c'est parce que je l'ai fait super vite. Je voulais voir ce que ça faisait. Bon, très bien, maintenant va me chercher le sac à patates. Ça va, c'est une soupe à la patate. Ça va. J'aime bien le pain. Un fouet guignot.
Je suis quand même pas content. Bah, comme je te disais, ça fait 4 ans à peu près. Mais comme tu vois, j'irais pas dire carrière non plus, quoi. Ça fait depuis combien de temps ton passe-temps de streamer? Bah, ça fait 4 ans. Et comment vas-tu, Fatal Kebab? Oh, ne t'inquiète pas, il n'est pas méchant, il a juste peur des gens. Mais moi, j'ai peur, Nana. Allez, sois mon pote. Sans ma main. Et là, il me la bouffe. Mort. Non, on a été approuvé par le dogo. Mais tu vois, il est pas méchant. Oh, c'est juste que des fois, les animaux, ils ont peur. Parce qu'ils pensent que les gens peuvent être méchants. Et quand je dis ils pensent, ils ont raison 90% du temps. Bon, on va chercher ces putains de patates. Mais avant, refaisons un câlin au chien. Putain, mais c'est pour ça qu'à chaque fois quand on va chez notre mamie et qu'elle nous dit qu'elle a fait des restes, il y a 15 000 trucs. Vous avez vu la taille de leur rangement de bouffe? Je suis un petit peu paumé, il s'est passé quoi? Bah pour l'instant, on sait pas trop. On doit aller chercher des patates pour faire de la soupe. Mais ça s'arrête là. Là, pour l'instant, pour t'expliquer, cette semaine, on fait plein de démos de jeu. Donc toutes les demi-heures, on change totalement d'histoire, d'ambiance et tout. Enfin, toutes les demi-heures, des fois, on reste 2 heures sur une démo, mais ça, c'est autre chose. Nana, je te jure, il y a un truc trop bizarre. Eh oui, et qu'est-ce que c'est? Je sais pas, une sorte de grenouille chaussette. Oh, comme c'est mignon, une grenouille chaussette. Non, c'est pas mignon, il fait super peur. Puis il a un chapeau. Mais n'aie pas peur, les grenouilles ne font pas peur. Ce sont des toutes petites créatures. Ouais, mais il a un chapeau. Non. Oh. Mais Nana, c'est pas mignon, viens m'aider. Bon, allez, dépêche-toi maintenant. Tu les ramènes, ces patates, ou je t'en colle une de patates? Mais... désolé, je prends ça. Aide-moi, Nana! Arrête de faire l'andouille! Mais... rends-moi ces putains de patates! Attends, il y a de l'or à côté, hein. Et il y a un fantôme. Et une poule! Et il y a un petit bonhomme bizarre. Et GG à tous pour les montées de niveau. Et GG Samétri qui passe niveau 111, Olivier niveau 62, Kirseis niveau 9, Kalmos niveau 20, Divine Esthétique niveau 6 et Fatal Kebab niveau 4. Félicitations à vous tous et toutes. Ok. Et c'est ainsi que Mio découvrit Narnia. Ça manque d'une touche pour sauter quand même. Ah! Non! Il va falloir que je trouve un bateau! Mais non! Sois un homme! Bon, peut-être pas alors. C'est bien parce que le jeu me laisse pas faire. Moi, je me casse. Et alors, elles sont où mes patates? Ouais, j'arrive, faut juste que je prenne un bateau et je t'amène ça. Mais de quoi tu me parles? Bon. Où est-ce que je vais trouver un bateau? Ça peut être un bateau. Ah, voilà, ça c'est le bateau. Mais d'où vient cette référence? Écoute, mamie, il me faut juste un bateau. Mais je t'ai demandé d'aller me chercher des patates. Ouais, non, mais t'inquiète. C'est pour les patates.
Non, le gros souci pour l'instant, c'est l'ambiance musicale qui est catastrophique. Ça a pas changé une seule fois depuis le début du jeu. Et ça tue l'expérience de ouf. Ça marche! Bon, et ben c'est parti. Non, il faut que je puisse ramer. Il me faut aussi des rames, mamie. Truc qui fasse des rames. Un vieux PC tout nul. Avec ça, tu rames bien. Non. Ah ah! Si je le casse. Mais prends le chapeau au pire. Comme ça, toi aussi, tu auras un chapeau. Il ne saura plus quoi faire. Il sera perdu. Bah mince alors. Non. Trop d'histoires de chapeau. Moi je sais. Ah ah. Anneau. Hop là. Oui, parce qu'on a regardé un épisode d'une série tout à l'heure où il y avait une histoire de chapeau aussi. Allez hop! Si tu me dis qu'il te faut une voile... Non, c'est bon. Allez, voleur! Reviens là! Incroyable. Ça, c'est moi qui fais du canoë-kayak, par exemple. Attends, mais c'est un requin! Oh merde, c'est un dauphin, c'est encore pire! Un requin? Pas du tout! Où est-ce que t'as vu un requin? Attends, t'es pas un requin? Ouais! Bien sûr que non, je suis un dauphin! Et tu ferais mieux d'avoir encore plus peur! Non, pas que ça te concerne d'ailleurs, mais j'ai l'impression que t'as un petit peu de mal à naviguer, non? Ouais, qu'est-ce qui te fait dire ça? Je sais pas le fait que t'arrêtes pas de te retourner comme une andouille, mais t'inquiète pas, c'est pas si compliqué que ça, je vais te montrer comment faire. Allez, suis-moi, suis le groove, suis le mouvement, comme on dit. Ok, bon bah si tu veux je te laisse te déberder, c'est toi qui vois. Oui, quand les jeux sont en anglais, j'aime bien réinventer les dialogues parce que j'ai la flemme. Je sais pas que pour faire du kayak, il fallait faire des backflips dans l'eau. Alors, selon mon instructeur, c'est pas ce qu'il faut faire. Mais moi, je trouvais que je m'en sortais vachement bien. Hey, mec! On dirait que tu as galère de ouf, non? Arrête. Bon, ok, d'accord, aide-moi. Bon, en fait, il m'a pas aidé du tout. Non ! Reviens là ! Ouais, mais je vais finir par croire que c'est buggé et ils ont oublié de mettre le truc qui fait que ça change de musique. Parce que là, pourquoi ça a pas changé de musique ? Oh, par là, ça a l'air plus sympa quand même. M'en fous, c'est pas par là que je voulais aller. Bon, c'était pas par là non plus. Hop là ! La technique de l'esquive du mollusque.
Ouais, il s'avère qu'il y a un mollusque, ça esquive pas des masses. Wouhou! Oh, le petit backflip, là. Enfin, mamie, elle a intérêt à être giga contente quand je lui ramènerai ses putains de patates. Hein. J'avoue, la musique, c'est non. On est d'accord. Non, et puis il n'y a pas de bruit d'eau, il n'y a pas... Enfin, il n'y a rien, quoi. Hey, mec! J'ai pas envie de te faire peur ou quoi que ce soit, mais... là où tu vas, tu risques de faire une sacrée chute. Il y a une cascade droit devant. Bon, enfin, maintenant que je dis ça, bonne chance, mec. Non, allons-y comme un homme. YOLO! Bah voilà. Les modeurs ont eu la flemme. Non, je pense surtout qu'en fait, ils avaient... Comme c'est une démo, on doit être sur un jeu qui est pas prêt de sortir tout de suite. Donc il reste pas mal d'aspects à voir, mais ça permet quand même déjà de voir si en termes de gameplay, en termes de visuel, ça plaît aux joueurs. Mais c'est vrai que c'est quand même toujours plus sympa de montrer un jeu où le son il est fini, quoi. Bah, on l'a vu sur le jeu d'avant, hein, mine de rien, un bon son dans un jeu, ça fait tellement. Faut que je répare le pont. Ouais, ou alors t'apprends à sauter, je sais pas. Casse-couille un peu. Voilà. Oh shit. La ville des chaussettes. Tu oses critiquer la sopa de mamie? Oui. Oh, dégueulasse. Et oui, et ça peut être pour vous pour seulement 3$. Ouais, et j'ai arrondi, faites avec! Ils sont incroyables, ils sont super beaux! Bon, je sais pas à quoi je m'attendais, mais les patates ne sont pas là. Cela dit, il y a un vieux jouet, une sorte de peluche panda. Bien sûr. Attends, j'ai une peluche de panda avec moi. Bon, bah, j'imagine qu'elle est à moi maintenant. Il vient de Croatie. Pas mal. Putain, elle est belle. Ah, j'aime beaucoup Jesus. ans. Ouais, c'est l'anniversaire de ma grand-mère. Toi aussi, t'es une grand-mère. Mais est-ce que ça va? Bien sûr que ça va. Je sais pas, vous avez l'air vieille, toute ridée et dépressive. Comment ça, vieille? Je tiens à vous dire que j'ai passé ma vie à courir partout derrière des mouches. Alors maintenant, j'ai le droit de me reposer. Enfin bref, j'ai fait plein d'autres trucs, mais le narrateur avait la flemme de lire. Tout ça pour vous dire que ma vie a été incroyable. Mais c'est votre anniversaire aujourd'hui, non? Et ça vous fait quel âge? À ton âge, je savais déjà lire les numéros, mon petit. T'as qu'à lire ce qui est écrit sur le gâteau. Bon anniversaire! Merci, j'imagine. Et c'est quoi votre musique favorite?
il y a une chose que j'aimerais vraiment pour mon anniversaire, mais personne ne se rappelle. Et c'est quelle chanson? J'ai oublié une grande partie. Est-ce que je peux entendre la partie dont vous vous souvenez? Non, je ne saurais pas le chanter. Ok, peut-être que je la connais. J'en doute, mon petit. Ce n'est pas le genre de chanson que tu peux trouver dans la démo, de toute manière. Peut-être dans la version complète, mais en tout cas, si je pouvais la réécouter, ce serait très cool. J'adore quand les gens font des démos et qu'ils rajoutent des petits dialogues spécialement pour la démo. Je trouve ça incroyable à chaque fois. Ils en ont tous marre de cette poule. Bonjour. Je crois que vous dormez, non? J'ai dit bonjour. Je crois que vous êtes en train de dormir, non? J'ai dit bonjour. Attendez. Monsieur, êtes-vous en train de dormir? Ça n'a pas marché. Je ferais mieux de le laisser tranquille. Il est mort, ton gars. De ouf. Je crois qu'il aime les pandas. Je suis pas sûr. Je sais où tu peux trouver ce que tu cherches. Ici, tu peux trouver absolument tout ce que tu cherches. Désolé, je suis payé pour dire ça. C'était presque utile. Putain, lui, il est trop cool. J'adore sa manière de marcher. Quoi? Mais n'importe quoi, les patates, ça existe pas. Mais qui mangerait ce genre de cochonnerie? Cela dit, j'aimerais bien en goûter. Ouais, j'aimerais beaucoup en goûter une. Vas-y, prends-en une et goûte. Non merci, je suis pas vraiment... J'aime pas trop les insectes. Allez, allez j'insiste, vas-y, mange-en une. Merci, j'imagine. T'inquiète mec. Mais attention aux poules, elles kiffent ce genre de truc. Ah ah! Ouais, t'es sûr. Petit. Tu me suis maintenant? Quoi? Bah allez, on est devenus potes. Je suis très déçu. Je pensais être ami avec cette poule. Mais il s'avère que pas du tout. Mec! Quoi? Oh non, j'ai pas mangé de patates, c'est vraiment dégueulasse! Je vois pas de quoi tu parles, Clem. Waouh! Ton histoire est
C'est un truc de fou, mec. Moi, si on m'avait volé mes patates, je serais complètement fou de rage. Mais vu que c'est arrivé à quelqu'un d'autre, j'avoue que j'en ai rien à foutre. Bizarre, non? La sincérité. Eh, tu veux trouver la cachette secrète? Et pour ça, faut que t'apprennes le code secret pour pouvoir rentrer. Désolé, je sais pas où sont les cachettes secrètes, moi. Bon, on va être là, la cachette secrète. Je peux la pousser à l'eau? La cachette secrète, tu veux dire le truc qui est juste derrière moi? Attends, attends. C'était le code secret? Ah bien sûr. Bah ok, dans ce cas je vais t'ouvrir la porte. Ah, dans une minute. T'es en train de m'arnaquer là, c'est absolument pas le code secret. Putain. Nouvel objectif, apprendre le code secret. Oh. Non. Je peux pas partir d'ici. Ce n'est que la démo. C'est vrai. J'essaie de dormir depuis ce matin, mais à cause de cette putain de boucle, j'y arrive pas. Mais ouais, mais c'est pour ça que je veux la poule, moi. Ah, mais attends. J'en ai d'autres. Ah. J'avais pas suivi. C'est l'heure de boire, nous dit Samétri. J'arrive. Mais il est vrai. Ah, je t'ai bien dit qu'on viendrait, pote. Il y a un truc qui me stresse. Dis-moi. Moi. Et salut Nams. Tu as le nom en message épinglé si jamais. Et c'est quoi ce bruit complètement affreux là? Mais qui a ramené une putain de poule? Hé, casse-toi! Casse-toi la poule! Mec, t'abuses, t'es en train de faire un super rêve! Quelle coïncidence! C'était pile poil la dernière pièce de ma brochette d'insectes. Putain d'une grenouille! Est-ce que c'est... Est-ce que c'est... Est-ce que c'est un panda? Ok. Ok, vas-y mec. T'as toute bonne attention, dis-moi ce que tu veux. Apprends-moi le code secret pour rentrer dans la base secrète. Ok. Ok, normalement je m'arrête de te le dire, mais là c'est un putain de panda, quoi. Et puis, t'as de la chance, c'est le seul secret que je connaisse. Mais pour un panda, tu sais quoi? Ah vas-y, ça vaut le coup. Je vais t'apprendre. J'adore les putains de pandas. Alors écoute... En fait, il suffit juste que... Bah, que tu toques à la porte, tout simplement. Non, je déconne. Attends, je vais te montrer comment on fait. Alors, merci.
Merci, mais si je peux te donner un conseil et un seul, c'est fuis. Non, franchement, fuis. Unfollow maintenant parce que l'autre là, ah, c'est un gros con. Et coucou, cœur sur toi, merci beaucoup pour le follow. Bienvenue à toi. N'hésite pas à te présenter si tu le souhaites. Et j'espère que tu vas bien. T'as vu, c'est facile. Incroyable, tu le fais comme un champion. Cela dit, un truc qui est basé sur le rythme et le son pour un jeu qui est pas foutu de nous faire une ambiance sonore, c'est quand même audacieux. La musique, tu m'étonnes. Ha! Juste parce que j'ai joué le con. Attends, c'était vraiment le code secret cette fois-ci. Ok, gamin, c'est impressionnant. T'as le droit de rentrer. Pam, pam, pam. Et on s'arrête sur un cliffhanger. Incroyable. Mais écoutez, ceci marque la fin de cette démo. On arrête la VOD, des bisous et à la prochaine. Salut, salut.